déjà 22 jours et j'ai à peine découvert 10% de cette surprenante cité. Tiens, là c'est mon petit chez-moi Mangrovien. Je vous fais visiter. Le vaste et lumineux salon. Cool, non? Aloïs a été recueilli au-dessus de Canberra il y a 6 mois lors des grands incendies en Australie. Allez, on fait un petit tour en ville. Amanda et Thierry encore en grande discussion. Hello, salut les copains. Ils me disent qu'ils vont partir une semaine en formation dans une des cités du réseau qui propose de multiples ateliers sur le thème de l'antigravité à la magie ordinaire. Ils me disent aussi que le vaisseau intercité de la Tour Blanche vient d'arriver et que ça vaut vraiment le coup d'y aller faire un tour. Avant d'y aller, on va faire une halte quand même dans un petit temple cosy que j'ai découvert et qui prodigue des soins fumigants excellents pour la peau et la mémoire. Bonjour. Je fais part à cette jeune femme de mon intention d'aller visiter la Tour Blanche. Elle me confie qu'elle est venue exprès d'une des cités du réseau pour la voir. Mais la partie de la tour qui l'intéresse vraiment, ce sont les infrapièces où se trouvent entre autres les fameux 5 disques. Et elle me dit que si ça m'intéresse, il faut s'adresser à Camille, le duplicant qui donne des renseignements. Et il faut invoquer le code 303. Hello. Et pour aller à la Tour Blanche, s'il vous plaît. Ok mec, me dit-il, il faut prendre le mall numéro 5 et tu continues tout droit sur la passerelle. Jeff Turrell est un artiste intemporel qui utilise la lumière comme matière pour créer des espaces.
Ça vous dit quelque chose? D'accord, me dit-elle. Prenez le temps de visiter le mémorial et je vous retrouve devant la porte d'or. Camille me dit qu'elle vient de déverrouiller la porte pour une durée d'une heure et demie et que je dois faire attention à je sais pas trop quoi. Mais bon, on va voir.